597. 597. Blanchot Anthony. Voilà, c'est là. Blanchot Anthony. Mais j'ai rien du tout demandé, c'est juste. Je retiens rien. en t-shirt, c'est qu'ils mettaient quoi comme taille? Duel. Duel, ouais. Ouais. C'est pas des t-shirts, c'est des trucs de cyclistes. D'accord. Ouais, elle c'est bien, ouais. Bah normalement c'est plus XL, elle. Mais... Ouais, donc ouais, c'est bon. Y a vu que je suis en train de changer de taille en ce moment. Ouais, alors, dans le sac, il y a le bracelet que vous devez mettre tout de suite. Je peux pas le mettre... Non, il faut que vous le mettiez devant. D'accord, le... ouais. Mettez-le bien, que vous soyez à l'aise. Hein. Ouais. C'est pas pratique. Hein. Hein, c'est un peu facile quand on le met. Ben, on aimerait bien le mettre au dernier moment. Ne le mettez pas si vous gardez la main. Vous croyez? Parce qu'il y a vous gêné. Il faut que je le mette de l'autre côté. De l'autre côté, sur votre côté. Ou le bracelet ou la montre, mais il faut pas les deux. Ouais, ouais. Oui, c'est ce que je dis. Ouais, vous mettez du côté d'arriver. Ouais, ça va aller. Oh, je vais déjà. Je veux bien de l'aide. J'ai mis du gel. Plus serré, là, mais là en bas. En bas, faut pas que ça serre trop, là. Non, en bas du bras. Ah oui, là. Parce que c'est, voilà. Ça va, c'est pas trop serré. Ah, parce que si ça vous serre trop, c'est pas... J'ai mis du gel hydroalcoolique, tout va bien. Voilà. Super. Non, mais on a le droit de rien faire, donc. Ouais, ouais. Ça, ouais, c'est la plaque vélo. C'est okay. Normal quand même qu'il prenne sa mine. Ça, c'est la plaque pour la course à pied. D'accord. La puce que vous allez mettre et que vous enlèverez vous-même à l'arrivée. Ouais. Il n'y aura personne pour vous l'enlever. Il ne faut pas être trop fatigué pour l'enlever alors. Oui, oui, ouais. Si vous oubliez de l'enlever, de facturer 15 euros. D'accord. Hein okay. Donc ça, il faut bien le remplir. Ouais. C'est important. Et puis voilà, je crois que c'est bon. Le bracelet, la puce, le petit bonnet de bain. D'accord, le jeune cadeau. Cette année, donc. Le cadeau. Ça marche. Et en partant, vous allez prendre une Red Bull. C'est super. Voilà. Merci. Bon courage. Merci. Bonne journée. Bon bah ça y est, tu vois la pression monter là. Ça y est, je viens de récupérer mon dossard. Vendredi, faire petite course à pied de recours, enfin mi-course, mi-marche. Je vais pas me fracasser après, me détendre en allant nager un petit peu au lac vite fait. Les flèches bleues pour le VTT. On commence à monter par la route pour les flèches rouges pour le trail. Je veux dire que d'entrée de jeu, tu as fait 42 km de vélo avec 1200 de D+, et tu rattaques la course à pied et tu es sûr de pas t'enflammer parce que ça monte déjà à 10%. On attaque la première portion de trail. Ouh, c'est boueux. Et généralement, là, je commence à m'endormir déjà derrière les autres participants. Cette année, si tout se passe bien. J'ai essayé de tracer à mon rythme. Pour l'instant, ce qui est cool, c'est que là, c'est pas trop accidenté encore. Encore une espèce de trébucher de la fatigue du vélo et tout ça. Mais après, ça se corse un petit peu. Surtout au niveau des descentes, là. Ça te tape sur les talons, tellement ça descend. Donc là, petit passage technique.
La première année, je m'étais gouré de parcours. J'avais pris le tracé rouge pour le parcours vélo. Donc quand je suis arrivé là, je me suis dit, je rigole vraiment pas avec la partie VTT. En fait, non, c'est la partie trail. Heureusement. Donc là, c'est étroit, là. S'il y a du monde devant, on n'a pas le choix que de rester derrière. Ou de tomber 50 mètres plus bas. Toujours dans la bonne direction. J'alterne marche et trail. Enfin, course à pied. Mais ça va pas très vite quoi qu'il arrive. Hein. Je veux pas me cramer. Et même si j'ai pas envie, l'intensité est là. Je suis direct dans le rouge dans les montées. Allez, on continue, ça redescend un peu. Ça va être casse-gueule. Là, j'ai clairement les pieds qui s'enfoncent dans la boue. Et puis en plus, vu qu'avec ces lacets, ils sont pas super serrés, les chaussures, j'ai tendance à partir sans les chaussures une fois que c'est enlisé dans la boue. Ouais, c'est bien ce que je disais cette année, ça va être boueux. Et là, la descente, la partie où ça tape un peu. Et puis quand tu vois les caillasses, elles sont roulantes, elles sont pas attachées au sol. Donc faut faire super gaffe. Puis vu que c'est boueux, ça glisse. Allez, on continue, on remonte. Ça alterne entre marre de boue et sec. Ah ouais. Passage dans le ruisseau. Je crois qu'en 2019, il coulait même pas ce ruisseau. Et là, on va rejoindre une petite portion de route. Encore la gadoue. Là ça monte sévère là, généralement. Il y a un peu de marche. Ouais. Selon les années, là il y a des bouts de polystyrène. Peut-être qu'ils vont mettre du ça dans la course. On verra bien. Sans ça, tu ne vois pas grand chose. Wow! Et là, portion de route qui remonte. Allez. Et on repart sur le trail. Et ça monte. Évidemment. Et en plus, c'est boueux. Vraiment là, avec les conditions qu'il y a, il va être long cette année, il va être bon, boueux et long. Je crois que la barrière des moins de 5 heures sur le mouillé, on va voir ce que ça donne. Hein. L'an dernier, en 2019, il y a 2 ans,
C'était super sec, il faisait super bon. Il y avait une petite brise fraîche. La combi était interdite parce que l'eau était à plus de 24 degrés. Néanmoins, là, les conditions, moins de 5 heures, ouais, ça va être chaud, hein. Ça va être très chaud. Ça n'empêche pas de s'amuser. De toute façon, le terrain, les conditions ne sont pas les mêmes. On n'est pas sur la route. Et là, c'est sacrément défoncé. J'arrive au deuxième ravito. Bah, y a rien, y a personne. Normalement, là, je prends mon verre de Pepsi. Et puis, je repars. Allez, go. J'ai les barrières. Sur le pont. Et normalement, on attaque une rampe ou deux. Ouais, à mon avis, ça c'est la course à pied. Parce que avec la rambarde en plein milieu, avec les vélos, ça m'étonnerait beaucoup. Clairement, édition 2021, c'est parcours du combattant. Là. Voilà. Et là, je suppose que c'est ce qu'on va descendre en vélo ou à pied. Ça va rester la grande surprise, plus ou moins. Et peut-être un tour près de la chapelle. On fait le tour de la chapelle. On va monter. Et puis là, on revient sur nos pas. Allez. C'est tout pour moi là. On se retrouve dimanche en zone de transition.